ओम शांति। ओम शांति। We all went to Baba, right? To offer Bhog to Baba. Nous sommes tous allés offrir Bhog à Baba, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes tous venus avec moi? Oui. Montrez-moi vos mains, ceux qui sont venus avec moi. Chacun de vous est venu. Alors, nous sommes tous ensemble devant Baba, offrant Bhog à Baba. Et Baba nous donne le drishti à chacun de nous. Alors, j'ai regardé Baba et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Bhog. Et ensuite, j'ai dit à Baba, « Qu'est-ce que tu fais tout le temps? » Je ne sais pas pourquoi cette pensée m'est venue. Parce que Baba donne le drishti, Baba dit, « Je donne sa cache. » Je donne sa cache tout le temps. Baba a dit que les enfants, aussitôt qu'ils se souviennent de Baba, ils ressentent le sa cache. Mais si vous oubliez Baba, vous n'allez pas ressentir le sa cache. Baba dit, mais aussi, il y en a qui ressentent ce sa cache. Et d'autres ne le ressentent pas beaucoup parce que Baba a dit, parce que vous devez aussi utiliser vos pouvoirs. Vous devez utiliser les pouvoirs, donc que vous utilisiez la tolérance ou l'amour, quel que soit le pouvoir, alors Baba donne un extra, un saccage extra. Baba disait que pour les enfants ont la connaissance, n'est-ce pas? Mais changer la connaissance en pouvoir, pouvez-vous dire, vous pouvez dire que tout cela c'est drama, mais si vous dites que tout est drama, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez changé la connaissance en pouvoir avec la pratique de mettre un point final, que tout est bénéfique, il n'y a rien de neuf, tout ce que vous avez inculqué, alors cela devient du pouvoir. Et lorsque ça devient du pouvoir, comment est-ce que je le sais? Est-ce que je suis capable de mettre un point final ou pas? Est-ce que je suis capable de dire, ah, c'est le drama, il n'y a rien de nouveau, et d'être quand même heureux. Alors, quelques enfants sont très bons d'échanger la connaissance en yoga. Papa dit aussi que la connaissance, c'est le pouvoir. Lorsque vous avez du pouvoir, vous pouvez être très aimant et détaché. Baba aimerait que les enfants fassent ce devoir, de voir que si vous êtes le matin, lorsque vous lisez le murli, donc souligner les points et en même temps le barati, quel pouvoir vais-je retirer de ce point? Tout en lisant le murli ou en les révisant. Même lorsque je barate les points, de changer cela en pouvoir. Vous savez, il barate le lait. Ce n'est pas seulement pour le plaisir de barater le lait. C'est afin que la crème émerge. Baba nous porte attention. En disant que lorsque vous barattez, et vous allez voir immédiatement que ce pouvoir va émerger pendant la journée. Voyez si vous êtes capable d'utiliser ce pouvoir. Et ensuite, vous allez ressentir le saccage de Baba. Mais Baba dit, tous les enfants font des efforts. Chacun.
Baba définitivement donne sa cache aux enfants à cause de leurs efforts. Tous les enfants font du karma yoga, un service ou un autre. Instantanément, vous recevez du pouvoir de cela, le saccage de Baba. Souvenez-vous que Baba, que son saccage est toujours là, toujours là. Si vous aviez cette pensée, vous allez le ressentir et vos pouvoirs vont aussi fonctionner. Précisément, et aussi j'ai donné le souvenir de chacun, j'ai apporté le souvenir de chacun. Il y a ceux aussi qui offraient Bogue avec beaucoup d'amour. Ceux qui ont fait Bogue à Baba avec tout d'amour, Baba a donné un amour spécial pour eux. Om Shanti. Élevée de Bab Dada, la personnalité de pureté. Ach. Acha. Charorki. Aujourd'hui, Bab Dada voit sa famille de personnalités royales partout. Sa famille royale la voit partout. Le fondement de la royauté et de la personnalité spirituelle est la pureté complète. Le fondement de la royauté et de la personnalité spirituelle est la pureté complète. Le signe de la pureté est la couronne de lumière étincelante sur la tête de chacun. Le signe de la pureté est la couronne de lumière étincelante sur la tête de chacun. La couronne étincelante de ceux qui ont la royauté et la spiritualité, la personnalité de la spiritualité. Donc, c'est seulement vous, la famille Brahmin, qui portez les couronnes étincelantes, qui avez la couronne spirituelle de la personnalité spirituelle, parce que vous avez été adopté, parce que vous avez adopté, pardon, la pureté. Donc, vous portez cette couronne parce que vous avez adopté la pureté. L'impact de la pureté de vos âmes brahmines est bien connu depuis le début. L'impact de la pureté de vos âmes brahmines est bien connu depuis le début.
avec Tiparipa, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti. Bienvenue à Avyakti Pariva. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais faire quelques annonces. Ce mois, c'est le mois d'août, c'est un mois spécial. Et le 22 août, ce sera le jour du Reiki. Et nous allons faire notre Reiki le 22 août à Avyakti Pariva. Donc, assurez-vous de réserver votre date. Nous aurons un Reiki tous ensemble. Deuxièmement, we want to let you know that please save the date for 15th of August. Donc le 15 août, c'est l'anniversaire de naissance de Dadi Mohini. Donc nous allons célébrer avec Avyakti Pariva le jour de l'indépendance aussi, je crois. Donc restez avec nous pour toutes ces séries. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 5, la personnalité de la pureté de la vraie royauté. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti à tous. We are talking about royalty of purity. Nous parlions de la pureté de la royauté de la pureté. La royauté veut dire lorsque vous êtes royal. Donc, vous avez toutes les acquisitions. Alors, vous n'avez aucune attraction, aucun désir. Vos yeux n'errent pas. Voir ce qui est bon, ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Comme les gens royaux, lorsqu'ils voient quelque chose, ils n'ont pas de désir. Un des aspects les plus importants de la royauté, c'est le contentement. Vous avez toutes les acquisitions. Not subtly when I should get this.
Non, même pas subtilement, comment, quand est-ce que je vais recevoir ceci ou quand est-ce qu'on va me donner cela. Ce sont les désirs, n'est-ce pas? Mais tout vient à vous automatiquement. S'il y a de la royauté, ne demandez rien. Je sais que je pense toujours qu'il y en a qui vont me dire même, Madhubani vont dire, demande ceci à Daddy. Je ne demande jamais rien. Si cette âme-là est digne, cela va arriver, non? Même quelquefois, une information que je devrais savoir à propos de ceci ou de cela. Non. Lorsque le temps vient, lorsque nous devenons responsables, que nous tout nous est dit. La royauté intérieurement, c'est d'être libre, totalement libre. Baba donne l'exemple des empereurs. Des empereurs sans souci. La façon que vous parlez, la façon que vous marchez, c'est d'être très royal et aussi très respectueux. Et la royauté est visible. La pureté n'est pas visible, mais la royauté est visible. Même des gens, des étrangers, lorsqu'ils vous rencontrent, ils vont ressentir votre royauté. Parce que, comme j'ai dit, votre esprit ne n'erre pas, vos yeux n'errent pas. Généralement, toutes les belles choses... Lorsque les gens voient de belles choses, ils se disent « Oh non, je ne l'ai pas, je devrais me le procurer. » Mais Baba dit aussi qu'il y a une belle couronne de lumière, une couronne de pureté. Je me souviens, je ne suis pas allée à Madhubani depuis 2 ans, mais l'octobre, le mois d'octobre à Ava. Et en octobre, ils ont cette dévotion pour les déités, ce sont les 9 nuits de déesses qui sont adorées. Donc, à l'aéroport, une personne a dit « Ah! » C'est le soir des déités. Nous avons une déité en face de nous. Il voulait vraiment que je leur parle des déités, au moins les offices. Il disait, venez, nous avons des déités dans notre salle d'attente. Bien sûr, nous avions des bénédictions et des taulis. Nous les avons distribués, mais spécialement en Inde, lorsque c'est le temps des 9 nuits des déesses, et les gens sont attirés par la pureté des personnes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons des bénédictions, n'est-ce pas? Nous ne voulons rien et cette royauté est en l'intérieur de nous depuis le début. Je me souviens, une fois j'étais dans les Caraïbes, j'étais assez jeune. On nous avait dit que les gens reconnus, vous allez les rencontrer, vous leur donnez les messages de Baba. Donc, il y avait un beau magasin, nous sommes allés à l'intérieur, une personne très agréable. Nous sommes allés donner le message de Baba, mais aussitôt
que nous sommes allés, il a commencé à ouvrir. Ils ouvrent leur caisse enregistreuse. Donc, nous avons parlé par un petit mot. OK, nous sommes restés à lui parler. Il nous a offert de l'argent. Je lui ai dit non, nous n'avons pas besoin de rien. Donc, il dit, vous êtes les premiers qui disent non lorsque nous voulons leur donner quelque chose. Donc, parce que la majorité des personnes religieuses ou qui que ce soit, ils viennent pour avoir quelque chose. Et j'ai dit non, nous sommes venus vous donner un message. Nous lui avons donné l'étoile, le blessing, la bénédiction et nous sommes partis. Et cela est arrivé dans beaucoup d'endroits. Et il commence à parler de nos années dans les années 70. Sister Jayanti est avec moi aussi. Nous étions très jeunes. La royauté de la pureté, c'est que nous savons qui prend soin de nous. Nous savons de qui nous sommes les enfants. Alors, les gens voudraient servir. Je voyageais en Inde et quelqu'un est venu et se prosternait. Donc, il a dit, ah, c'est pour le service. C'est pour vous, pour faire du service. Il y a des règles. Donc, je ne connaissais pas cet homme. Donc, la pureté et la royauté attirent tous les gens aussi. Et avec une grande surprise, je vais aller chercher mes lunettes de lecture. Et bien sûr, il n'a rien chargé. Et à la fin, il a donné une enveloppe. Il a dit, c'est pour le Seva. Et Daddy Janki dit, je vais chez le médecin. Elle dit, je ne les paie pas, mais il me donne pour le Seva. Alors, automatiquement, la nature des éléments, tout est attiré vers la pureté. Mais la pureté doit être aussi la pureté de l'attitude, la pureté du drishti, spécialement l'attitude. Et toujours ressentir que la royauté, c'est que nous avons tant de bénédictions. Nous avons tant de trésors de la connaissance. Nous en avons tant, c'est illimité, n'est-ce pas? Alors, cette royauté des acquisitions, même si vous partagez un point de connaissance, est juste une bénédiction. Cela donne le temps, cela comble tant les âmes. Alors, la royauté de la pureté, c'est que nous sommes libres de désirs. Nous ne demandons rien. Mais aussi, lorsqu'il y a de la pureté de la personnalité, il y a toujours des offrandes. Même pour le yagya du Baba, les instruments qui ont vraiment cette personnalité de la pureté, de la royauté. Ils sont capables de soutenir le yagya de Baba. La royauté, non pas seulement être libre des désirs, mais aussi soutenir le yagya. Il devrait y avoir, lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous devrions avoir ce sentiment de la lumière, cette couronne de lumière au-dessus de la tête, la couronne de lumière. So royal people. Alors, les gens royaux, spécialement la royauté de la pureté,
sont toujours appelés divins. Et Baba a débuté en disant que depuis le début du cycle, vous ne l'avez pas entendu, mais nous allons lire, ça bien dit, que depuis le début, votre reconnaissance de la royauté était déjà présente. Parce qu'à cause de la royauté, ils nettoyaient où ils doivent placer les idoles. Ils vont vraiment nettoyer l'endroit. Alors, nous devons tous être des images des acquisitions, libres de tous les désirs et avoir une vision très, très pure envers chacun, si pure qu'ils puissent voir leur propre pureté. Non qu'ils voient leurs impuretés, mais notre vision devrait les aider à voir combien ils sont dignes. C'est la vision pure. Une vision pure, ce n'est pas de les faire réaliser leurs erreurs. Non, ce n'est pas cela. Ma tâche est de les faire réaliser combien ils sont élevés, combien ils sont dignes. Donc, les erreurs ou leurs défauts, ils devraient être capables de s'en défaire eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je devrais le mentionner? Parce qu'il y a l'irrespect, une vision irrespectueuse envers les autres. Mais nous devons avoir une vision de respect total. Notre drishti devrait aussi les rendre purs. Mais si vous regardez la personne de la façon qu'elle est, cette personne ne sera pas capable même de voir que oui, je peux être une personne encore meilleure, mais nous voulons qu'ils le ressentent, oui, qu'ils sont plus élevés, ils peuvent aller encore plus haut. Ils peuvent devenir cela. C'est notre famille qui va grandir, notre famille de personnalité de la royauté. L'âge d'or, c'est une grande famille. Je pense que quelquefois, nous le ressentons intérieurement, n'est-ce pas? Notre grande famille. La nature aussi nous sert. Tous et chacun deviennent coopératifs. Alors, pensez à propos de votre pureté et créez la personnalité de la royauté. Om Shanti. Un joyau de lumière, Dadi Prakash Beni. S'il y a de la haine dans l'esprit envers quelqu'un, cela pourrait être n'importe qui. L'inimitié, l'animosité ou la haine envers quelqu'un de la famille. Alors, Babaji, vous êtes venu ici pour abandonner tous les vices. Alors maintenant, laissez ce vice et apprenez à aimer tout le monde. Donc, cette habitude de haïr si une personne en déteste une autre, c'est comme si je pense que cette personne déteste aussi Baba. Ils détestent Baba, c'est pourquoi il y a de la haine dans leur maison les uns envers les autres. Dans leur famille, ils ont de l'animosité, de l'opposition les uns envers les autres. Ils n'ont jamais un amour véritable pour Baba.
Ceux qui ont un amour véritable parlent toujours avec douceur à tout le monde. Baba dit de ne jamais parler grossièrement à quelqu'un. C'est le langage de Baba. Parler avec amertume, c'est comme boire de l'eau salée. Buvons-nous de l'eau salée? Non, nous l'utilisons uniquement pour nous rincer. Vous devez donc toujours vivre avec amour, pas avec la haine. Avez-vous écouté? Deuxièmement, si vous, les mères, vous vous souvenez toujours de Shiv Baba, alors rappelez aux autres que notre Shiv Baba est le Seigneur innocent et qu'il est si beau. Racontez-leur votre expérience. Si vous ajoutez un et un, cela deviendra deux. Et si vous ajoutez deux et un, cela deviendra trois. Donc, maintenant, 4000 d'entre vous sont venus. Rendez-les égaux à vous-même, de sorte que si nous faisons un programme l'année prochaine, au lieu de 4000, il devait y en avoir 12000. C'est bien ça, Daddy? Regarde. Baba a donné une salle si grande. Si 12000 personnes viennent, elles peuvent toutes dormir sur le sol ou dans les salles. Ici, tu es la reine du canapé, mais plus tard, tu deviendras la reine d'un royaume. Quand j'avais l'habitude de permettre un comptage libre, alors 50 000 personnes venaient. 50 000 venaient. Un jour, nous organiserons une foire, une mela, et nous inviterons toutes les mères sur le terrain illimité de Baba, et nous aurons une classe ici. Welcome to Avec Teacher. Alors, bienvenue au voyage à Viette et partage de nos ancêtres à travers leur propre niveau, révélant la beauté du Créateur. Les histoires du yoga, c'est Amir Chand Bhai. C'est grâce au leadership de Daddy G, à sa personnalité, à sa maturité, à sa planification, qu'elle a amené cette institution, cette école, à de tels sommets. Daddy G avait une telle ponctualité, bien sûr. Nous connaissons tous son amour et son affection pour tout le monde. Cependant, si nous parlons de sa ponctualité, je l'ai moi-même vue dans sa personnalité. Elle avait l'habitude de m'appeler tous les matins alors que nous étions en tournée dans l'Himachal Pradesh, un état du nord de l'Inde, et elle me demandait le programme de la journée, où nous allions, quels sont les programmes et les fonctions qui vont se dérouler cette journée-là.
Daddy Jean écoutait le programme qu'une seule fois lorsque je lui disais. Et elle était toujours prête pour chaque programme 10 minutes avant l'heure prévue. Je me souviens de cet incident lorsque nous revenions de Imachal. Nous allions arriver une demi-heure avant à l'endroit où nous devions participer à un programme. Alors j'ai dit à Daddy G, ils doivent être en train de préparer les choses pour nous accueillir. Alors pourquoi ne pas nous arrêter en chemin pour arriver à l'heure et pas avant? D'habitude, les gens arrivent après l'heure prévue. Nous arrivons avant l'heure. Tu sais ce que Daddy m'a dit? Elle a dit, Armi Shambhai, si nous arrivons avant l'heure, ils s'en souviendront pour toujours que Daddy J est arrivé avant l'heure. Et c'est une histoire vraie. Quand nous sommes arrivés, ils étaient encore à se préparer à nous accueillir. Ils n'ont pas pu nous accueillir correctement. Mais Daddy G ne se sentait jamais mal à propos de ces choses. En 1987, c'était la première fois que nous organisions une congrégation de Mahatmas, les âmes élevées de Haridwar, excusez, une ville sainte du nord de l'Inde, à Pandavbhavan. C'était la première fois dans l'histoire du yoga que nous avions invité des saints, des Madaleshwar, des personnes spirituelles hautement qualifiées. Au Sukdam, nous avions réservé leur chambre individuelle à l'avance, puisqu'il s'agissait de saints de haut niveau. Il était 21h30 dans la soirée. Daddy m'a appelé, m'a demandé, Amir Chan, ben, tout le monde est arrivé? J'ai répondu, oui, Daddy, presque tout le monde est là. Puis elle a demandé, est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que toutes les dispositions ont été prises correctement? Je dis, oui, Daddy G, ils sont tous là, à l'aise et heureux. Daddy m'a dit, j'ai pensé que je voulais y aller moi-même et voir s'ils sont tous à l'aise et si les dispositions sont bonnes. Elle m'a dit, vas-y et dis-leur que Daddy va venir les voir. À 22h, Daddy s'est rendu dans la chambre de chaque saint pour les rencontrer, les saluer. Et ce geste a eu un tel impact sur tous les cœurs qu'un responsable administratif d'une institution soit venu dans leur chambre dans la nuit pour demander si tout était confortable et si nous n'avions besoin de quelque chose. Le lit est-il confortable? Le drap de lit vous convient-il? Je peux vous dire comment Daddy G a eu un tel impact sur tout le monde. Daddy a eu un tel impact sur tout le monde. J'ai vu moi-même combien sa personnalité était si grande. Om Shanti. Om Shanti. Oui, notre Daddy G était très, très simple, mais très royal. Alors, c'est Bhumika qui parle. Il y a tant d'histoires. Merci beaucoup. Nous connaissons tous Amir Shambhai Ji. Il est venu ici à Peace Village en 2019. Une très belle âme aussi. Alors maintenant, ce sera notre devoir. On voudrait inviter notre ange Chérine. Bienvenue. Om Shanti. Om Shanti Didi. C'est un message tellement profond de Daddy G. Si vous haïssiez une seule personne, c'est comme si vous haïssiez Baba. Allons voir notre devoir pour demain.
la pureté de la vraie royauté. Moi, l'âme, je vis dans la réalité de ma pureté. Moi, l'âme, je suis combinée à Baba et j'ai une attitude de bons souhaits et de sentiments purs pour chacun. Je suis une âme royale, complète et emplie. Alors, faisons notre méditation sur ce thème. La pureté, la véritable royauté. I, the soul, live. Moi, l'âme, je vis dans la réalité de ma pureté. I, the soul, moi, l'âme, je suis combinée à Baba et j'ai une attitude de bons souhaits et de sentiments purs pour chacun. I am a royal soul. Je suis une âme royale, complète et emplie. I, the soul, moi, l'âme, je vis dans la réalité de ma pureté. I, the soul, moi, l'âme, je suis combinée à Baba et j'ai une attitude de bons souhaits et de sentiments purs pour chacun. I am a royal soul. Je suis une âme royale, complète et emplie.
Om Shanti. Om Shanti.